Salut, salut à tous. Bonjour déjà à tous ceux qui se connectent. Hein. C'est un live de quelques secondes. On va faire juste quelques petites secondes. Je passe juste vite une information et on va continuer. Partagez au maximum, partagez au maximum. Je passe vite l'information et la journée continue. Vous savez que demain c'est le 19. Donc, je suis en route moi-même déjà parce que les préparatifs sont déjà en cours depuis. Demain, c'est le 19 et demain, il y a quelque chose. Donc, vous imaginez sans doute que beaucoup d'activistes sont en route, beaucoup de journalistes sont en route. Donc, c'est pour ça que je vais vite faire une communication avec vous. Je passe une information très importante, à mon sens, à mon avis. Et voilà, après, vous avez le temps de continuer le voyage. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi Gaston, bonsoir à tous ceux qui sont connectés ou bonjour. Hein. Vous savez, j'aime bien le soir. On dit souvent le soir, tous les chats sont gris ou bien la nuit, tous les chats sont gris. Allez-y, connectez-vous. Voilà, je vois, tu vois une certaine Wamba là. Tu as le nom de mon partenaire, Wamba. Donc, si vous écoutez du bruit, désolé parce que je passe à côté d'un chantier là. Vous savez, en Allemagne, ça travaille, contrairement à certains pays. Bonjour à toi Vicky. Alors, je viens d'avoir des informations concordantes en direct du Cameroun. Hein. Donc, je voulais vous faire état de ces informations pour que vous sachiez déjà comment vous en tenir. Les informations sont à 700% sûres. Donc, vous vous doutez bien quand je prends le temps de faire un direct à cette heure-ci. C'est parce que les informations que j'ai sont extrêmement intéressantes et sensibles. Donc, l'ami déjà du côté de Belgique en a déjà fait une touche. C'est Niat Barano. Il a fait une sortie déjà. J'ai suivi un audio d'ailleurs qui en parlait. Donc le gouvernement camerounais vient de déployer énormément d'argent pour mobiliser certains Camerounais de la diaspora pour venir s'infiltrer dans nos marches. Mais ça, ce n'est pas une grande information. Ils le font toujours. Ils le font toujours. L'information que vous devez garder en tête, c'est que ils ont pris une politique actuellement qui est celle de mobiliser le maximum de troupes militaires et policières. Les militaires vont s'habiller en tenue policière. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils vont modifier les corps. Et ça, je vous le dis parce qu'il faut que ça reste dans les annales. Il faut que vous soyez informés de cela. Parce que comme je vous ai dit, une fois que le pouvoir va changer de main, il faut que la justice soit rétroactive. Donc, je rappelle ici, il y a une différence entre un militaire et un policier. Le policier a la possibilité, le droit de travailler à l'intérieur du pays. Par contre, le militaire n'a pas ce droit. Sauf invasion nationale, sauf attaque de la souveraineté nationale de l'intérieur. À ce moment précis, les militaires ont le droit d'agir en interne. Alors, je vous redis donc ici que il y a au Cameroun une manœuvre qui veut que les soldats prennent des tenues policières et de gendarmerie pour agir sous le territoire national, dans le territoire national contre les populations camerounaises. Ces soldats vont être armés. Pour le moment, ils sont en train d'hésiter s'ils prennent les balles en caoutchouc, mais il y a des manœuvres qui vont dans ce sens-là. J'ai eu la confirmation tout à l'heure de ce que ces gens veulent introduire des soldats de l'armée dans les rangs de ceux-là qui vont venir contrarier, contrecarrer, essayer de contrecarrer nos plans. Donc il faut que vous le sachiez. Je voulais aussi ici rappeler, j'ai essayé d'appeler un député de la place qui malheureusement n'a pas répondu parce que ce député est très 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 avancé dans les manipulations de ce sens. Je dis à tous les Camerounais qui sont au pays, les contre-manifestations organisées par Kaba Liby, tenez-vous très 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 à l'écart de cela. Tenez-vous très très à l'écart des manifestations organisées par un certain Kaba Liby. Ça ne vise qu'à vous identifier pour vous faire arrêter plus tard, d'une façon ou d'une autre. Donc, éloignez-vous de cet individu au maximum. Au maximum. Ça, c'est le point premier. Le point second dont je voulais absolument que nous parlions aujourd'hui, c'est le point par rapport à la marche du 22. La marche du 22, je demande ici à tous mes amis politiques du MRC de se méfier, Hello.
de tous les nouveaux adhérents du MRC. Le plan principal qui était celui avec Roméo Dika pour créer un certain pan des divorcés du RDPC pour intégrer le MRC n'a pas marché. Il y a des personnes qui sont chargées, qui sont financées, qui ont eu de l'argent pour intégrer le MRC, pour créer des mouvements d'insurrection pour que le MRC et le professeur Moïse Kamto soient portés à mal. Donc, excusez-moi pour les lunettes, il fait extrêmement chaud. Il faut que nos amis politiques du MRC en soient tenus informés. Donc, je prie ici tous mes amis qui sont du côté du Cameroun de passer le message cordialement au MRC. Il y a des faux adhérents du MRC qui ont pour but de semer la zizanie lors des marches, lors des manifestations, pour que cela soit imputé directement au MRC. Il y a des manifestants qui sont de faux manifestants qui ont pour but de venir empoisonner. Les seringues ne sont pas fausses, c'est vrai. Il y a des manœuvres d'Atangandi qui ont été mises sur pied. On a vu ça à Genève. Donc, tenez-vous vraiment sur vos gardes. Et je rappelle ici ce que j'ai dit hier soir. Messieurs, mesdames, allez-y, prenez vos téléphones portables, n'hésitez pas de vous connecter à la diaspora pour envoyer toutes les informations que vous avez à la diaspora. Je suis à Berlin déjà. Je suis déjà à Berlin, vous voyez. Donc, je suis là sur place. Pour ceux qui vont venir, allez-y, ce n'est que vous qu'on attend. C'est demain déjà la manifestation, donc déplacez-vous massivement, retrouvez-nous ici à Berlin, on attend plus que vous. Il est fondamental que vous le sachiez. Et je dis ici encore, je lance ici un appel à tous mes amis journalistes, tous les journalistes du pays qui sont au Cameroun et dans la diaspora, qui se ressentent, qui se reconnaissent camerounais. Le moment est venu pour que nous, les journalistes, nous lancions une union, une unité, un groupe de journalistes qui va travailler pour mettre dehors toutes les informations que le gouvernement a, toutes les informations capables de nuire au gouvernement d'une certaine façon, parce que nous avons déjà trop attendu. Je ne sais pas pourquoi mes confrères journalistes ne font que garder l'information, ne font que garder se taire de dire la vérité. J'invite ici tous mes confrères journalistes, j'invite ici J. Remy Gonod de France, parce qu'il sait la vérité. J'invite ici mon frère Jacky Moifo de Paris, parce qu'il sait la vérité. J'invite ici tous mes frères journalistes, même ceux du Cameroun. Il est temps pour vous de vous lever et de dire la vérité à nos frères. Dites-leur que ce qui reste de Paul Biya ne peut pas les empêcher de sortir. C'est une vérité. J'ai fait une réunion dernièrement avec quelques stratèges de l'Allemagne et il a été confirmé encore. Même les politiciens allemands savent que Biya n'est pas là. Donc, chers amis, je crois qu'il est temps pour vous que la vérité soit révélée aux Camerounais. Chers Camerounais, levez-vous. Allez revendiquer votre liberté. Allez revendiquer votre liberté. Je vous dis encore, vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir. Vous serez surpris de ce que vous allez découvrir. Vous allez découvrir que le Cameroun a subi ce qu'on appelle un coup d'État silencieux. Le Lamido de Ray Bouba a tout fait, il n'a pas pu. Kaba Libi est aujourd'hui la personne qu'on veut placer en avant pour détruire le système de la jeunesse. Chers amis, je voulais vous passer ce message. Pour tous ceux qui vont manifester au Cameroun, ne marchez pas seul. Gardez vos téléphones ouverts, filmez tout ce que vous voyez. Envoyez les images en Europe, on en a besoin pour monter le dossier qui va, une fois pour toutes, mettre ce gouvernement face à leurs agissements. Donc, il est fondamental pour vous de vous inscrire sur les plateformes dont je vous ai parlé. La plateforme Google Drive qui vous permet de sauvegarder vos données en ligne. Allez faire des réunions Zoom quand vous allez passer dans les manifestations pour que tout ce que vous enregistrez soit ici en Europe et non au Cameroun. Je redis encore, l'information majeure, c'est que parmi ceux qui vont venir faire des contre-manifestations, il y a des militaires qui sont habillés en policiers. Et ces gens n'ont de rôle, non pour rôle, non pour mission que de venir nuit à l'intégrité des jeunes et paisibles Camerounais que vous êtes. Donc, je vous dis donc ça pour que vous en sachiez, pour que vous soyez informés et que vous sachiez donc ça pour agir et faire valoir ce que de droit. Ça, c'est l'information que je voulais vous faire passer déjà sur le plan policier. Maintenant, sur le plan journalistique,
je mets ici en garde. Je dis bien, je mets ici en garde. La manœuvre qui est organisée par le journal Anecdote, par le groupe Anecdote, qui n'a pour but que de venir salir l'image de la manifestation qui va se tenir demain et le 22. C'est pour ça d'ailleurs que ce journal, ce groupe est en train d'être remis sur pied. Parce que je vous avais déjà dit, c'est un groupe qui n'a pour but que d'alimenter le service secret du Cameroun, le renseignement au Cameroun. Et Amougou Belinga, après son chantage, est en train d'être réinséré d'une certaine façon. Donc, chers frères, vous avez l'information. C'est à vous de savoir comment en faire usage. Voilà ce que je voulais vous passer ce matin comme information. Mais je reste encore insistant et persistant là-dessus. Ce qu'il reste de la présidence Biya ne peut pas vous arrêter. Il est question de vous dissuader au maximum. Chers Camerounais, n'hésitez pas de protéger nos prisonniers politiques. Mamadou Mota est un prisonnier politique. Mamadou Mota est un otage du gouvernement pour mettre la pression au professeur Maurice Kamto. Il faut que vous le sachiez clairement. L'insurrection n'aura pas lieu par un parti politique. L'insurrection, c'est le peuple camerounais qui se soulève. Donc, il est fondamental que vous fassiez la différence entre la marche qui va avoir lieu le 19 et celle qui aura lieu le 22. Donc, ce que je veux ce jour, ce que je demande aujourd'hui à mes frères camerounais, aux journalistes, c'est que nous nous unissions une fois pour toutes pour faire tomber ce gouvernement camerounais. Il y a des informations qui démontrent ce que je vous dis. Je le sais, beaucoup d'autres journalistes le savent. Les internationaux le savent. Même des journalistes correspondants internationaux savent que le pays Cameroun n'a plus de commandant. En Allemagne, quand vous allez dans des sens de discussion politique, ils savent que le Cameroun n'a plus de capitaine. Donc l'information que je vous donne, vous aurez la confirmation de cette information en sortant juste manifester. Je ne vais même pas venir sur l'état de santé actuellement du président de l'Assemblée nationale, parce que c'est un autre débat. Donc, chers amis, faites attention à vous, sortez avec vos téléphones. Sachez que vos téléphones portables sont les gages de votre liberté. Sachez que vos téléphones portables sont les seuls moyens par lesquels vous pouvez démontrer, attester que le gouvernement camerounais est un gouvernement qui est cruel. Atangandi et sa compagnie sont clairement dos au mur et ne peuvent ni avancer ni reculer. Raison pour laquelle il est fondamental pour vous. J'ai reçu un appel, c'est pour ça que je suis obligé de couper. Raison pour laquelle il est fondamental pour vous d'informer vos frères du pays. Oh là là! Il y en a qui m'appellent toujours quand je suis en direct, je ne sais pas ce qu'ils veulent.